Cette semaine, nous avons quasiment une nouvelle perturbation par jour. Regardez les images satellites, on voit la perturbation d'aujourd'hui qui part vers l'est et la nouvelle qui arrive par l'ouest. Justement, on aura un temps très perturbé ce mercredi et sans aucun doute, la pire journée de la semaine, la plus pluvieuse en tout cas, avec cette pluie battante sur tout l'ouest. Mais la nouveauté, c'est que ce mauvais temps glisse vers le sud avec de fortes pluies, parfois orageuses. Quelques averses également vers les régions centrales et un temps temporairement calme en direction du nord malgré quelques brumes. Au cours de l'après-midi, on retrouve ce mauvais temps qui s'en va progressivement vers l'est. Il touche même la Côte d'Azur avec quelques averses orageuses. De ce côté-là, ça se dégrade aussi. Du vent, très mauvais ressenti. Ça se calme progressivement sur l'ouest et on reste encore à l'écart sur les frontières du Benelux. Les températures sont basses avec le vent en plus. Le ressenti est vraiment très mauvais. 13 du côté de Brest, 14 à Paris seulement. 11 en direction de Lille. Au cours de l'après-midi, les températures sont en dessous des moyennes. Au nord, évidemment, 22 à Paris, 22 à Strasbourg. Et regardez au sud-est, après les 28-30 degrés des derniers jours, là aussi ça a baissé avec seulement 24 degrés pour la ville de Marseille. Les prochains jours s'annoncent également instables, mais il y aura une petite amélioration quand même, très temporaire. Jeudi, à nouveau un temps orageux pluvieux sur le nord-ouest. Vendredi, ce mauvais temps s'en va par les frontières de l'Est. On a par contre une belle journée sur l'Ouest. Vendredi, profitez-en. Samedi, grosse perturbation pluvieux orageuse. Une fois de plus sur l'Ouest. Attention, il faudra s'en méfier, notamment avec le chassé croisé sur les routes.